Eh bien le bonjour ou bien le bonsoir. Bon, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo accidentelle. Je suis complètement outré par ce qui se passe en ce moment avec l'histoire de Théo, l'histoire d'Adama. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, d'accord? À un moment donné, stop, stop. Et puis l'autre cougna maman ou là, qui dit que Bamboula, Bamboula c'est assez correct. Non, la guette maman c'est pas correct. Non, non c'est pas correct. Parce que si c'était l'effet inverse, eh bien je te jure que c'est pas correct. Ah non, c'est pas correct parce que nous aurions encore pointé du doigt en disant oui, les Noirs si, les Arabes ça, on est assez souffre-douleur comme ça, c'est bon. Et puis il y a tous les menteurs politiciens là qui vont sortir en disant oui, je suis complètement outré par ce qui se passe. C'est vrai que Théo, que Adam, n'a get my mouth. Tu ne sais pas ce que tu racontes, tu veux juste qu'on vote pour toi, mon frère. Alors arrête de nous bassiner avec toutes tes conneries. Hein? Alors si c'est pour nous traiter de bamboula, ben il y a bien des bamboula, il y a bien des négros chez les flics. Est-ce que vous les insultez de bamboula? Il y a bien des commissaires, hein, chez les flics. Et tu l'insultes de bamboula? Non, parce que tu vas te faire virer. Voilà. Et puis comme toi, tu es un gradé, tu te permets de dire des trucs comme ça. Eh bien, si nous, tous les bamboulas de France, hein, on décide de se lever et d'arrêter tout ça, eh bien, il ne va plus rester grand-chose parce qu'il n'y a plus personne pour nettoyer la rue le matin. Je ne dis pas qu'il n'y a que des bamboulas, mais il y en a beaucoup. Il n'y aura plus personne, hein, dans les francs-prix, les monoprix, les attaques. Il y aura plus... Bah oui, parce que c'est nous les bamboulas qui faisons la sécurité. Il n'y aura plus personne dans les chantiers. Eh ben oui, parce que tu enlèves les bamboulas, il reste que les Portugais. Et même les Portugais, ce sont des immigrés, vous n'aimez pas les immigrés. Donc il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus de chauffeurs de bus. Il y aura même moins de flics. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'antillais chez les flics. Alors il y aura beaucoup moins de flics. Il n'y aura plus personne à la poste. Parce que nous sommes aussi également à la poste. Il n'y aura plus personne dans les hôpitaux. Eh ben il n'y aura plus rien. Parce que nous, nous sommes révoltés. Voilà. Les maîtres chiens, les maîtres grims, c'est tout le monde. Ça suffit maintenant. Alors maintenant, tu vas te présenter des excuses. Et puis d'ailleurs, non, nous n'accepterons même pas tes excuses. Parce que c'est très grave ce que tu as dit. Bamboula, c'est assez correct. Là, get my mouth. Toi, tu es correct, toi. Là, je verrai si tu es correct, moi. Parce que sinon, je vais partir dans un délire accidentel. Alors, s'il vous plaît, François Hollande, rétablissez-moi ça avant vous partez. Je sais que vous n'en avez plus rien à foutre, étant donné que bon, vous, ça y est, votre quinquennat, c'est fini. Vous avez claqué la porte à droite et à gauche. Ça y est, c'est fini. Vous êtes parti rendre visite. Bon, vous, ça va. Vous n'avez plus rien à nous rendre. S'il vous plaît, rétablissez-moi cet ordre. Parce que bamboula, je suis désolé, en 2017, ce n'est plus possible. Nous ne sommes pas dans les temps des Jeanne d'Arc et de Mat Pokora. Get maman. Bamboula, c'est correct. Et ta mère. Allez, correct, les flammes de l'enfer vont venir te chercher.